Bonjour, alors voilà, petit tuto pour ce poste Enon, ou comme moi, si vous en avez assez d'avoir des applications qui ne fonctionnent pas pour la simple et bonne raison que vous êtes en train de rouler. Donc, on va prendre l'exemple de l'OBD Check. Là, je suis à l'arrêt, le contact est mis, mais j'ai le frein à main qui est enclenché. Donc, vous allez voir que tout à fait normalement ça fonctionne. Voilà, je peux avoir accès à mes jauges et tout ce qui va bien. Maintenant, si j'enlève le frein à main, hop, le petit message, do not operate while driving. C'est un peu dommage hein, quand on a besoin de vérifier, par exemple, si on fait une régénération, ben, de ne pas pouvoir le faire parce que ça ne marche pas. Donc, petite solution, on remet le frein à main. Donc, on revient sur l'application. L'application en elle-même, on s'en fout. Hein. Donc, vous allez venir, hop, chercher les paramètres de votre logiciel. Vous allez aller sur infotainment de voiture. Voilà. Vous allez aller sur About Device, qui est là. Vous allez venir sur le petit engrenage. On va venir faire le petit code PIN. Voilà. Vous allez sur Other. Et là, vous allez voir sur Break, vous avez un chiffre. Alors, soit c'est 1, soit c'est 2. Et vous allez venir le mettre sur 0 pour User Off. Et vous faites sauvegarder. Là, on va vous dire qu'il faut que le poste reboot. Vous dites OK. On va laisser attendre le temps que ça reboote tranquillement. Alors, c'est un petit peu long, hein. Forcément, ça demande à être mis en à remettre tous les paramètres en place. Allez, on patiente quelques secondes. Voilà. Le petit logo de redémarrage. Ah, c'est toujours un petit peu long le début du boot, mais au moins vous constatez que ça fonctionne parfaitement. Voilà, on revient sur la page de démarrage. Et là maintenant, on va venir, comme tout à l'heure, sur OBD Check. On va venir sur information en temps réel. Voilà. Et là, vous allez pouvoir le constater. Le frein à main, je l'enlève complètement. Et là, hop, magie, c'est resté en place. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura intéressé, qui va vous permettre d'utiliser un petit peu mieux votre poste. Allez, merci de m'avoir écouté.